Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Hortense va devoir affronter des démons du passé. À cette occasion, les fidèles du programme assisteront au retour d'Hugleroy. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'Ici tout commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Hortense, Catherine Davidzenka, va devoir affronter des démons du passé dans les prochains épisodes d'Ici tout commence. L'occasion pour les scénaristes du programme de faire revenir à l'écran un personnage qui n'était plus apparu depuis longtemps. En effet, l'épisode du jeudi 28 avril marquera le retour de Yann Sundberg dans le rôle de Hugleroy. Souvenez-vous, il y a un an, Hortense faisait la connaissance d'Hugleroy, l'expert comptable de l'Institut Auguste Armand. Bien plus âgé qu'elle, ce dernier avait alors offert de payer ses études si elle acceptait de passer du temps avec lui. Longtemps considéré comme son sugar daddy, Hugues nourrissait en réalité une véritable obsession pour la jeune femme et s'est révélé être un véritable pervers. Et pour cause, Hortense ressemble comme deux gouttes d'eau à la femme d'Hugues décédée quelques années plus tôt dans un terrible accident de voiture. N'ayant jamais fait son deuil, il s'était mis à la chercher dans chacune de ses rencontres. Hugues entretenait donc des relations avec des femmes beaucoup plus jeunes auxquelles il faisait porter la robe de sa défunte épouse avant de les photographier. Il affichait ensuite le portrait dans une pièce cachée de son appartement. Totalement obnubilé par Hortense, Hugues était alors allé jusqu'à la séquestrer. Heureusement, Maxime, Clément Rémien, avait pu sauver sa camarade. Après cette difficile épreuve, Hortense a porté plainte à Saint-Culpeille pour tout le mal qu'il lui a fait. Depuis, l'expert comptable n'était plus jamais réapparu à l'antenne. Entre-temps, le traumatisme vécu par Hortense a eu de lourdes répercussions et s'apprête à refaire surface dans la suite du feuilleton culinaire de TF1. Depuis plusieurs jours, les scénaristes d'Ici tout commence ont décidé de creuser un peu plus le passé d'Hortense. Au fil des épisodes, les fidèles de la quotidienne ont appris que l'apprentie chef souffrait notamment de troubles du comportement alimentaire. Boulimique depuis l'âge de 14 ans, Hortense semblait guérie après avoir intégré l'Institut Auguste Armand. Si elle pensait en être définitivement débarrassée, ses troubles sont malheureusement réapparus après son histoire avec Hugleroy. Tandis qu'elle s'isole et perd de plus en plus le contrôle sur la situation, Hortense va finir par se demander si ses crises de boulimie ne seraient pas liées à ce traumatisme. L'heure sera donc aux explications dans les prochains jours. Hugues étant sorti de prison depuis un mois, Hortense va alors prendre son courage à deux mains et affronter ce démon du passé. Afin de nourrir ce voyage dans la psychologie d'Hortense, Yann Sundberg traitera donc de nouveaux secrets à l'ancien expert comptable de l'Institut Auguste Armand le temps de deux épisodes, d'après les synopsis officiels dévoilés par la chaîne. Est-ce le premier pas vers la guérison pour Hortense? Réussira-t-elle à clôturer ce terrible chapitre de sa vie? Réponse prochainement dans Ici tout commence.